Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce lundi soir sur un nouveau jeu, Actag, qu'on jouera en duo avec Pup-Up, un jeu de coopération, où un joueur est en infiltration et l'autre en hacking, pour l'aider dans l'infiltration. On va découvrir ça ce soir. Je vais tout de suite rejoindre le Discord. Et bonsoir Pup-Up. Salut Keto, comment ça va? Très bien toi? Ça va, impeccable. Je suis en train de faire mes réglages, hop, c'est bon. Et que difficulté à lancer? Non, c'est juste que je trouvais la musique un peu forte. Mais non, non, moi, tout est prêt. Impeccable. D'accord, ok. Voilà. Et bonsoir Shepard, comment vas-tu? Bonsoir Shepard. Du coup, on va passer sur le jeu. On fasse le tutoriel chacun de notre côté ou pas? Parce que j'ai pas fait du tout, hein. J'ai pas lancé encore. Bon, on va découvrir sur le temps. Écoute, j'ai vu que qu'on crée un nouveau personnage, il y a un explicatif, donc on fera le petit explicatif à l'oral. Tu lis ou je lis, comme tu veux. D'accord, donc faut créer un personnage, c'est ça? Jouer en ligne, et là, il nous demande de créer un personnage. Du coup, je vais le recréer. Tac. Alors, j'avais choisi quoi tout à l'heure? Tac. De toute façon, il n'y a pas grand choix. Je vais changer la veste et... Là, Pup-Up, mon prénom. Yes. Souhaitez-vous apprendre les jeux de base? Attention, cette mission se joue seule. Ah, effectivement. On va faire une petite lecture et on va faire un tuto ensemble. Enfin, pas ensemble, mais en même temps. Ok. Je te laisse arriver sur le perso que je prends pas le même, que je prenne pas le même. En bas à droite. En bas à droite, ok, je vais prendre le premier. Oula, bah j'ai rien de débloqué de toute façon. Il y a un peu de lecture, je vais mettre en plein écran. J'espère que ce soit du bon côté. Ok, c'est bon pour moi. Souhaitez-vous apprendre les bases de ce jeu? Oui. Yes. Alors, choix d'émission. Tu veux que je lise ou... Ou on alterne comme tu veux. Ok, chose d'émission. Vous êtes des hackers qui effectuent des missions d'espionnage industriel pour des coopérations. Corporation, pardon. Dans ce menu, vous pouvez dialoguer avec vos clients et associés qui vous brieferont sur vos missions. Communication. Votre personnage ainsi que votre rôle dans la mission sont visibles ici. À gauche, j'imagine. Vous pouvez aussi communiquer avec votre partenaire avec les flèches directionnelles. Bon, nous, on sera sur Discord. En mode online, vous verrez si vous êtes l'hôte de la partie ou non. Seul hôte peut choisir la mission. Ok. Valider et changer de rôle. Vous pouvez appuyer sur accepter pour continuer ou demander de changer de rôle entre agent sur le terrain et hacker. Oui, évidemment, on peut pas prendre deux agents sur le terrain ou deux hackers, ce serait bizarre. Non. Corporation cible. Les logos en blanc représentent les trois corporations que vous allez infiltrer. Clao Media Group, Genetics et Lexic. Ouais. Lexic, ouais, je dirais. Type de mission, il y a trois symboles différents pour trois types de missions différents. Capture de données, infiltrez-vous et piratez les ordinateurs des employés pour voler des données confidentielles. Chute du boss, vous devez accéder à l'ordinateur du patron de l'entreprise pour le saboter ou lui voler des données. Et enfin, unité centrale, pirater les trois unités mainframe d'une entreprise pour accéder à sa base de données. Niveau de difficulté. Facile, vous infiltrez une petite succursale de la corporation. Les secrets qui s'y trouvent sont limités. Niveau sécurité, pas de quoi fouetter un chat. Continue illimité. Ah, continue, j'imagine les... on peut reprendre si on fait une erreur. Ouais, sans doute. Normal, ces missions se déroulent dans un bureau de la corporation. Les infos que vous trouverez commencent à avoir de la valeur. Niveau de sécurité, un vrai panier de crabes. Continue 3. Et difficile, là on rigole plus. Vous infiltrez directement le siège d'une corporation. Niveau de sécurité, oh la vache! Continue 1. Les missions histoire. Les missions avec une étoile sont les missions histoire qui se débloquent en remplissant des missions standards. Finissez toutes vos missions histoire pour découvrir votre histoire personnelle et les secrets les plus noirs des corporations. Ouh là là. Bah go, j'imagine, on va lancer notre tuto chacun de notre côté. Alors, on peut
et si les skills débloqués par votre personnage, ceux-ci peuvent être débloqués en effectuant des missions. Bon, pour l'instant, on n'en a pas. C'est vite fait. Ouais, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour moi. Ok, donc on apprend pour la commencer en agent de terrain. Courir, alors faut juste que je regarde à chaque fois, RT c'est celle-là. Okay. Ah, zut. Alors attends, R2. R2 c'est pour courir, ok. Tac. D'accord, c'est du QTE. Comment ça faisait un halo quand on courait, j'imagine que ça fait plus de bruit. Oui, sans doute. On va ouvrir la porte suivante. Tu as aussi petit frère. Ah ok, donc l'agent de terrain débloque des possibilités pour le hacker. Donc c'est vraiment... Piratage de données. Oui, d'accord. Et... Ah d'accord, faut maintenir. Ouais, j'ai fait la même erreur. Moins 150 points. Plusieurs PC. Ah oui, il y a deux PC, j'ai pas eu. Eh ben, j'ai fait la même. J'étais ressorti de la salle. Ah, c'est sur tes gardes, la suite s'annonce plus tendue. You got caught. Est-ce qu'il fait toujours le même déplacement? Le pattern. Ouais, ouais, il fait demi-tour. Ah, il se casse, ok. Ok. Mince, antivirus vient de me choper. Ok. Bon, visiblement, le hacker peut aussi se faire choper. Ah, attends, ça va en avoir sur moi, là, je pense. Désolé, j'avance trop vite. Salut votre partenaire. Ah oui, d'accord. Mon partenaire, il faut appuyer sur carré plusieurs fois afin de remplir la jauge de barre. Libéré, délivré. Okay.
opérateur ordinateur. Caméra, ok. Oula, je ne comprends pas tout ce qu'il va faire. Ah, je l'ai vu. Ouvrez la porte protégée et je... Ouais, me semble le même code. Hein. J'ai mis un temps fou à le trouver. Attends, je comprends pas comment ça marche là. En fait, il faut que tu navigues au bas pour trouver le même code qui se lance tout le temps, donc du coup, tu tombes au bon moment. Et tu fais de droite ou gauche pour valider. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok, et la suite du tuto, c'est en mode hacker. Logique. Ok. J'ai réussi sur cette mission-là aussi. On peut faire un café. T'as déjà démarré la deuxième mission? Oh, direct, hein. Pas de temps à perdre. Ok, bon, je comprends pas trop comment ça marche ça, mais c'est pas grave. Hop. Non, c'est un peu chiant. Okay, je comprends pas comment lancer les... à quoi ça servait de mémoriser le firewall. Tu peux re-TP après. Sur ta gauche, t'as jusqu'à 4 TP enregistrables. 4 points non enregistrables. Et tu peux TTP à n'importe lequel quand tu veux, visiblement. D'accord. Sauf que j'ai du mal à les sélectionner et quand j'essaie de les sélectionner, je commence à TP sur un alors que c'est pas ce que je souhaite. Mais... Si je m'achante sur la touche et je bouge pour annuler, ça marche. D'accord. Faire quoi là? Signal qui peut attirer l'antivirus, mais bon, c'est bon. Je sais pas trop ce que je dois faire non plus là.
Ah non, il y a deux ordinateurs. Ok, donc il y a l'antivirus qui est là, je suppose. Tu peux demander à ton partenaire de désactiver temporairement, ok. A trouvé le même code, je viens de comprendre. Ok, parce que le hacker et l'infiltré bougent en même temps. Donc il y en a un qui peut ne pas bouger et l'autre essaie de le retrouver. D'accord. T'es encore en avance, je suis en train de pirater les ordinateurs. Ah bon. Ok, alors succès déverrouillé. Ah garde, attends, je suis qu'au garde. Je connais le kung-fu. Vous qui c'est, bah oui.